Avec ce faux jour, hein. Pas trop. Hein. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà, je vais vous parler du Siracide. Et je vais vous conseiller ce livre, le Siracide, ou le livre de la sagesse de Ben Sira aux éditions Verdier. Je suis sur le Kikar, à votre santé. Je suis allé au restaurant La Place, sur le Kikar. Je fais de la propagande un petit peu. Juste à côté de Alonso, je fais aussi de la propagande. Voilà, à votre santé. Bao Radadona et l'on me rend l'âme chacun et Mbao. Bon, donc, le Siracide, le livre de la sagesse de Ben Sira, un excellent livre qui est paru aux éditions Verdier, que vous pouvez vous procurer et que je vous conseille de vous procurer. Un livre qui est fait avec l'assemblage de tous les commentaires qui ont été trouvés par la suite en hébreu. C'est vrai que depuis le 1er siècle, on avait commencé des traductions, et ces traductions, elles étaient la plupart en grec. Donc, on avait les documents jusqu'avant 1982. Ensuite, on a découvert, bien évidemment, des écrits en hébreu de ce fameux livre. Ils ont été assemblés et commentés par Charles Mopsik, le fameux kabbaliste commentateur de nombreux textes, parmi les plus importants et malheureusement les moins étudiés, hein, alors qu'en fait, ça devrait être des textes de base qu'on devrait étudier pour mieux comprendre la Torah et son sens et son message. Alors ce livre est à double langage, c'est-à-dire, dans le bon sens du terme, bien évidemment, pas à double langage à la... comment ça s'appelle déjà cet intégrisme islamique, là. Tariq Ramadan, non, bien sûr, pas du tout dans ce même sens, mais dans un sens positif. C'est-à-dire que ce langage est assez simple, mais transmet sous forme littérale et sous forme allégorique ou symbolique figurée, un autre message beaucoup plus profond, beaucoup plus dense, et qui est de motiver à faire un travail sur l'intériorité de la Torah. Et donc, chaque parek, chaque pasouk ou chaque sentence est expliquée avec une très grande sagesse qui s'est jouée avec ce parallélisme-là. Il n'y a pas de pshat, remez, drash et sod à ce niveau-là. Ce n'est pas fondé sur la base du pardes, mais c'est fondé sur la base de deux langages, intérieur et extérieur. Et là, bon, bah, par exemple, je prends un texte. Un sommeil revivifiant et pour celui qui a un estomac léger, il se lève, le matin en pleine possession de lui-même. Alors, ça veut dire quoi ? En sens littéral, que lorsque l'on mange pas trop, le soir, le sommeil est plus léger, parce que l'estomac est moins chargé, et le matin, on se lève en général avec une présence d'esprit beaucoup plus rapide et beaucoup plus éveillée que si on a mangé, qu'on avait l'estomac alourdi par une nourriture riche. Ça, c'est le sens littéral. Maintenant, rentrons dans le sens profond. Le sommeil, qui ici, c'est connu, est un 60e de la mort. Comme il y a 60 lettres dans la bénédiction des prêtres, comme il y a 60 prophètes qui sont base du Tanakh, comme il y a 60 lettres dans un alphabet complet, on dit que lorsqu'un 60e tombe dans un autre 60e, le 60e est annulé. Par exemple, un morceau de viande qui tombe dans un seau dans lequel il y a du lait ne rend pas le lait interdit, parce qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, mais rend le lait permis parce qu'on appelle Bitul Beshishim, c'est-à-dire le 60e est annulé.
Alors en fait, ça veut dire que la mort, quelque part, serait annulée avec la notion d'interdiction et de mort. Et le fameux dicton prend signification pour l'estomac léger, d'aller dormir avec l'estomac léger, c'est-à-dire d'être allégé de la nourriture qui est la base de ce monde, qui a été à l'origine impliquée par la faute d'Adam Harishon. Et on sait qu'on attend le tikkun, c'est-à-dire l'allègement, si on pourrait dire, de l'asservissement au monde physique et matériel. Donc derrière ce verset, se cache toute la notion du fameux mythe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et du fait que si effectivement on ne fait pas comme Adam Harishon a dit à Dieu, il y a un midrash qui le rapporte, quand Dieu a dit « mais tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit », il a dit « j'en ai mangé et j'en mangerai, et je continuerai à en manger ». Ça veut dire « je suis tombé dans la matière ». Mais je continuerai à m'enfoncer, à tomber dans la matière, parce qu'il y a quelque chose qui m'attracte là-bas. Alors bien évidemment, le Siracide dans sa sagesse, ou Ben Sira dans sa sagesse, met le doigt sur la chose, mais il met le doigt d'une manière discrète, symbolique, et très légère, de façon, avec très grande discrétion, de façon à cacher, sous la manière dite, et dans laquelle c'est énoncé, la profondeur de ce qui est derrière ce qu'il énonce, tout en lui donnant une valeur pratiquement, on pourrait dire, diététique ou médicale à son dicton, lorsqu'on le prend sur le plan littéral. Alors il se lèvera le matin en possessance de tous ses moyens. Eh bien, ça veut dire que si l'homme ne rentre pas dans le dualisme et n'accentue pas trop sur cette notion de dualisme due à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une espèce de manière discriminante de voir les choses, a toujours divisé en deux, exemple Ashkenaz, Sépharad, les religieux, non religieux, juifs, goy ou non juifs, et tout ce qui s'ensuit, bien, mal, noir, blanc, lumière, ténèbres, et uniquement dans ce dualisme-là, mais comment savoir la teinte des choses et les différentes nuances de couleurs qui des fois ne sont pas forcément vues à l'œil nu de la première manière, eh bien à ce moment-là, il s'allège quelque part de la lourdeur de ce qu'implique le fait de manger et d'encore de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et automatiquement le matin, c'est-à-dire quand il se lève, bien qu'il est dans un monde de mensonges et d'illusions, eh bien il prend conscience que en fait, il est en possession de ses moyens, il est toujours plus éveillé, et toujours plus éveillé, et donc quelque part moins touché par l'aspect de mort qu'il y a dans ce monde, qui tue notre âme et qui le déracine et qui la déracine de tous ses moyens à partir de ce dualisme. Voilà. Alors ça veut dire, c'est pour ça que le verset suivant, il dit « Ne sois pas attiré par les plats savoureux qui t'ont forcé la main, quelque part, qui t'ont forcé la main, comme si les plats pouvaient forcer la main. » Vous voyez ? « Ne sois pas attiré par l'état des apparences, de quand on t'a mis derrière ces apparences des notions qui te forcent la main, bourrage de crâne. Au contraire, vomis et tu seras soulagé. » Alors effectivement, c'est vrai des fois que plutôt que de prendre une indigestion et d'être malade toute la journée, au niveau du sens littéral, il vaut mieux vomir et être soulagé. Mais c'est vrai que quelque part, il faut aussi rejeter ces notions-là de dualisme, de bourrage de crâne, pour retrouver le sens de la sagesse et pour être éclairé par des notions différentes de toutes les teintes qui sont entre le blanc et le noir, qui sont entre la lumière et les ténèbres, qui sont entre les couleurs, toutes les couleurs de différence qui sont dans les choses et toute la psychologie qui va avec. Voilà, amitié à tous et que Dieu vous bénisse, Kol Tov.